C'est la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées du 14 au 20 novembre. Deux points rencontres handicap et travail seront organisés pour le personnel du CHU les 15 et 17 novembre de 11h à 15h à la mezzanine de l'anneau central de l'hôpital Charles-Nicolle. L'occasion de rencontrer et d'échanger avec des professionnels autour des questions liées au handicap au travail. Seront présents sur ces stands un médecin du travail, une assistante sociale, une infirmière de santé au travail, l'ergonome et la correspondante handicap. Alors les points rencontres que nous organisons cette semaine dans le cadre de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées ont pour vocation d'être des temps d'échange avec les agents ou avec les cadres pour évoquer toutes les problématiques autour du handicap et du travail. Le fait de pouvoir déclarer sa situation de handicap permet d'avoir accès à des aides, notamment donc dans le cadre du FIPHFP, des aides pour les aménagements des postes de travail, pour la compensation du handicap, par exemple pour les appareils auditifs, pour les transports domicile-travail pour quelqu'un qui serait vraiment en grande situation de fragilité. Donc il y a tout un tas de dispositifs qui existent et qu'on peut mobiliser. Dès lors qu'on a déclaré sa situation de handicap. Le handicap n'est pas forcément visible et pas synonyme d'incompétence ou de restriction. Et à aucun moment, se déclarer en situation de handicap peut être pénalisant pour le déroulement de la carrière. À noter que le CHU sera également partenaire de Cap Emploi le 14 novembre à la Cité des Métiers pour Job en direct et de l'Adapt Normandie le 16 novembre à la Blanchisserie pour Entreprises en direct.